Et salut à tous, c'est Tourbama. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode portant sur notre aventure de Diamant Étincelant. Alors, sur Diamant Étincelant, il y a un légendaire qu'on a toujours pas fait, qui est Cresselia. Donc là, j'ai décidé d'aller du coup à Jolie Berge, puisque c'est là qu'il faut aller pour pouvoir faire la quête afin de l'obtenir. Donc avant, il faudra bien avoir entendu terminer la ligue Pokémon pour débloquer le Pokédex national. Et ensuite, une fois qu'on est ici, donc il va falloir aller chercher la reine. Et vous avez cette maison là. Edern le marin. Parlez à cet enfant. Ce garçon dort d'un sommeil agité, il semble tourmenté. Il murmure quelque chose. Dark. Il me regarde. Parle à sa mère. Je n'aurais jamais cru que notre fils serait piégé dans son mauvais rêve. C'est déjà arrivé ici à Jolie Berge par le passé. Certains sont restés prisonniers de leur cauchemar toute leur vie. Là on va aller voir le marin. J'ai perdu le goût de la mer depuis que mon fils est plongé dans ce cauchemar. Il me faudrait une plume lune pour le réveiller. On en trouve sur l'île pleine lune. S'il te plaît, tu veux bien y aller pour moi? Fais-le au moins pour mon fils. Donc oui. Donc on va aller là-bas. Personne d'autre ne peut tirer mon fils de cet horrible cauchemar. N'oublie pas, il te faut une plume lune pour le réveiller. Levons l'ancre. Donc là, cet événement va permettre de le débloquer. On va pas le capturer, mais on va le débloquer directement. Donc là, on est sur l'île pleine lune. Et après, il faudra le repérer avec le repère, puisqu'il va fuir. Le Pokémon s'est envolé. Il semble avoir laissé un objet brillant derrière lui. Hop! La plume lune qu'on range dans la poche objet rare. Tu as rencontré le Pokémon lunaire? La légende dit qu'il voyage à travers tout Sinnoh. Oh, cet objet étincelant, c'est une plume lune? Merci beaucoup, ça va permettre à mon fils de sortir de ce cauchemar. Et en fait, il nous faut obtenir Cresselia pour après avoir Darkrai quand on aura la carte membre. Donc c'est pour ça que je fais cette quête maintenant. Votre plume commence à briller. Le visage du garçon est désormais paisible et serein. Le petit garçon s'est réveillé. La télé s'est allumée. Ah, enfin, tu es réveillé. Ah, mon fils, quel soulagement. Les mots me manquent. Merci mille fois, nous ne t'oublierons jamais. C'est si bon de te voir remis sur pied. Je me sens prêt à affronter les mers les plus déchaînées. Mon sang de marin bouillonne dans mes veines. Je vous emmènerai naviguer tout à l'heure. Ah, on peut retourner après sur l'île. Et l'île de fer, ok. Bon, ça c'est fait. Alors maintenant... la Pokémontre. Le Cresselia est là. Après, à chaque fois, il se barre.
voir ce que ça donne. Regarde où il est parti. C'est comme Créfolé, enfin celui qui se barre dans les elfes, je l'avais chopé à la master parce qu'en fait genre je faisais une quête et tout. Et là d'un coup il s'est barré, j'étais en mode bah ok. En fait je suis tombé dessus pile. Donc j'ai fait bah c'est parti quoi. Et en fait je suis tombé dessus genre comme ça sans le chercher. Et c'était hors vidéo, donc c'est pour ça que sur la chaîne il n'y a pas de vidéo où je le capture quoi. Ah putain, il y a des combats que j'ai pas fait. Je vais être l'ornithologue. Noirfang. Alors. Il est 31. Il est mort. Voilà, je pense que le Pokémon s'est barré à l'autre bout. Hein. Bon, lui, comme ça, ce sera fait. Archéomir. Hop. Voilà. Ça rapporte que dalle, mais bon. Il serait dans la grotte. Il est pas dans la grotte, il est extérieur. Il est sur la route encore à côté. C'est bon, les Pokémon niveau 13. Il a l'air d'avoir bougé. Vraiment? Il est niveau combien? 50. J'ai peur qu'il se barre. Mais ce qui me semblait. Ah, il était dans les trois carrés, quoi. Quelle blague. J'y
J'ai pas de Pokémon qui peut prendre regard noir ou... Histoire 2. Ah, attendez. Attends, est-ce qu'en plus il y a l'alarme là? Ah, c'est bon, il a retiré. Hop. J'ai pas un Osferalto qui traîne. Lui encore pourrait l'apprendre, je pense. Je vais mettre à la place de Kaido pour l'instant. Tenir regard noir, diamant étincelant. Je peux pas l'acheter. Il y a Nosferapti qui peut l'avoir, il y a Ectoplasma. Sauf qu'il te passe mal, j'ai pas pensé à le mettre au début. Et Diana peut pas l'avoir. Je vois pas de nom en tout cas. Bon. Il est où le truc? Ah, il est en train de se déplacer, mais c'est pas grave. Il est où le centre commercial? Je vais voir si ils le vendent pas. Parce que sinon je sais pas où je peux aller choper quoi. Concrètement. Sans traiter de démétal. Ok, alors, ils ont quoi? Ça c'est les attaques de taré.
Tu vas me dire qu'il n'y en a aucun qui l'a. Putain, le vendent pas ici, quoi. Ah, putain. Ça va être long. Ok, je vais vraiment pas garder une de Ferapti ou de... Légendaire. Ils apprennent ça niveau combien? Vingt-neuf. Oh putain. Il l'a pas non plus. Ah bordel. Y'a quoi d'autre qui peut l'avoir? Je sais pas, un terraclub qui traîne là. Pas l'air d'avoir un club qui traîne. Terra club niveau 52. Ah mais je vais voir le mec des... Je vais aller voir le mec des compétences. Hein. Parce que là... Alors, le gars des compétences, il est où déjà? Je sais plus où il est. Verchon. Ah, c'est le Verchon. C'est quelle sa maison?
celle-là normalement. On va mettre ça à la place. Voilà. Alors il est là. On va aller là. Putain, il s'est barré à l'autre bout. Tout à l'heure, genre, je t'ai mis deux cases plus loin et il était resté. Enfin, il était resté là où il était, mais là. Ah, puis là, il se met bien en bas, quoi. On va refaire un test, on va se mettre là. Quel gros chien. Il s'est foutu à l'autre bout. Là il va se rebarrer encore. Bizarrement maintenant que je regarde Nord il bouge. T'es une blague. Je veux pas genre se coller à un endroit que je puisse le traquer. Oh putain. On va continuer par là. Putain, faut repasser par une grotte. C'est pas avec des monstres comme ça qui va maxer ses niveaux, Nox. 53 points. On va pas aller loin. Hein. Oh, il s'est barré à l'autre bout, Clébar. Oh là là, j'en ai marre. Je suis dans la grotte pour rien. Tout à l'heure, il bougeait pas. C'était bien. Là, je vais voler, il va arriver je sais pas où encore. Donc là, il est censé être là. Je vais aller à la littorale, on sait jamais. Hein.
Putain. Mais quoi? Attends, j'arrive à peine là, il est déjà parti de l'autre côté. Oh là là. Il va se barrer. Je vais aller arriver en arrière, il va être à l'autre bout de la carte. Putain. Girafe de mort là. Ah ouais, il va se barrer là. Mais oui, un passage où tu peux... Alors, c'est tellement long. Un bordel pour aller le chercher, lui. Ok, il faut passer par là.
Ah ouais, super, il est où là? Peut-être là-dedans. C'est pas du tout un Cresselia, ça. Putain, ils me disent qu'il est à côté, mais... Quoi ? C'est lui, il est là. Incroyable. Ok. Donc là, elle a déjà essayé de se barrer, quoi. Je pense pas le one shot. Ah, je suis pas fait de dégâts du tout en fait. Bon, je vais spammer les morsures pour l'instant. Voilà. En plus, si à chaque fois que je fais morsure, il a la trouille, il peut pas attaquer. Et vu qu'il y a regard noir, tant qu'il me tue pas. Vu que mon lanceur est là, je suis tranquille. Ah, là il a pu attaquer. Rayon lune. Ah, qui va leur donner de la vie. Eh oui. Après, s'il fait que rayon lune... Putain, il fait... Coupe psycho, oula. Chronoball. Il a quand même fait pas mal de tours. Ah non, de la merde. Pas de capture critique là-dessus. Wind protect. Ok. Je mets de guérison. Ça, ça bouffe encore des tours. Ouais, on a bien fait de mettre guérison. Ah, il se régène encore. Allez, morsure. Je veux pas genre mettre un critique là sur morsure. Il se régène. Il a déjà fait une protect tout à l'heure. Il se régène encore. Je vais faire poison croix. Si ça avait pu l'empoisonner un tout petit peu. Ah ouais, là il. Là il a fait mal. Chronoball. Putain, il s'est barré direct. Faire une protect. Je vais faire guérison. Parce que là, il m'a fait beaucoup plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais pas à 600. Putain, tranche, il fait mal avec tranche. Coup critique, bah super. Ah, putain. C'est compliqué. Hein. Ah, il me le tue. Il va pouvoir se barrer. Aïe.
Alors, si j'ai de la chance et que je peux lancer l'hypnose avant. On va voir. Putain, rune protect qui... Putain, c'est rune protect qui casse les couilles. Et on est reparti pour un tour. Ah, le problème c'est qu'en plus il fait pas assez de dégâts. C'est chier ça. Ah. J'avais pas récupéré ça. C'est là où je me dis que la... la master aurait été pas mal. Là, tu mets un coup de master dans sa gueule, il est calmé. Hein. Ah. Je sais pas s'il est dans cette herbe là. Ah, il est là. Putain, j'ai pas raise. Je l'ai pas raise l'autre. Oh putain. Ah, j'ai pas le truc où quand tu la lances dès le début, ça a plus de chance. C'est barré direct. Hein. J'aurais peut-être dû tenter une attaque. Putain, j'ai pas pensé à ça. Ah, bordel. Attends, ils veulent que je descende. Il est remonté. Ah, il fait que ça de bouger. Putain. Il est pas là, mais il va être plus haut, je pense. T'as un coup, il était à la droite, et après, il est redescendu sur le parc. Alors, attends, parce que là. Pas d'autre moyen de monter de toute façon. Ah si, je peux passer par Floraville. Non, même pas. Quoique.
que dalle. Ah, bordel. Ah, il s'est remis au parc. Putain, dès que j'arrive au parc, il se barre. Ah, mais bloque pas dans les murs, toi. Allez, on descend. Est-ce que j'ai sauté le truc? Sans le vouloir. C'est fort possible. Bon, ça, c'est pas un Cresselia. Ça, c'est pas un Cresselia non plus. Il va me rendre fou, ce Pokémon. Ah, là, c'est un Cresselia. Allez, on commence par regard noir. Là, comme ça, il peut pas se barrer. Ok, donc rune protect. Même si j'avais hypnose, bah là, je peux pas utiliser. C'est bien. Fais ton pattern ou tu utilises une protect, mon grand. Il va sûrement se soigner. Ah non, une protect. Ok, il peut pas attaquer. Allez, on tente une hyperbole. Ah putain, là ça servait à rien. Ah, ça me paraît assez bizarre qu'il s'était pas encore soigné. Allez, Chrono Ball. Oh putain, yes, on l'a eu. Oh là là. On aura mis... Allez, 40 minutes à le traquer. Ah putain, j'ai Cresselia. Ah là là, Pokémon lunaire, quel plaisir. Non, oh, je peux donner son nom. Le mettre dans la boîte PC. Oh là là. Un légendaire de plus. Un légendaire de plus, quel plaisir. Content. Ah, c'est cool. C'est trop cool de l'avoir eu. Trop trop bien. Du coup, on va s'arrêter là-dessus pour ceux qui regardons la VOD sur YouTube. C'était Turbama. Donc, vous avez eu au complet, du coup, comment débloquer Cresselia et ensuite la petite traque pour pouvoir enfin le capturer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Merci à tous.
Thank you.